just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage avec les anges. Je vous souhaite un bon tirage et je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse choisir votre carte en partant de la gauche. La première carte, Yaël, Mitzraël, Nanaël et Yelaya. Si l'ange Yaël apparaît dans les mystérieux arcanes de ton existence, philosophe, mystique, vit à l'écart, recherche de la solitude. Il marche par des chemins peu fréquentés, sage, savant, illuminé, modeste. Il accomplit ses devoirs et ses obligations. Il se dégagera de tout ce qui est matériel, il aime vivre autrement. Voici sa prière. Vivifie-moi, Seigneur. Fais que le courant de ta pensée circule dans mon cerveau et le régénère. Fais que le battement de ton cœur batte à l'unisson de mon cœur. Que mon geste soit ton geste, que ma parole soit ta parole. Je m'ambitionne d'autres luxes que celui de comprendre la merveilleuse machine du monde que l'Éternel a créée. L'ange Yaël exhorte. Je suis porteur d'idées simples et d'un cœur sensible. Tu trouveras en moi l'ordre naturel de tout ce qui existe. Tu dois savoir, pèlerin, que tout est né de l'idée, que tout a trouvé sa fécondité dans le sentiment, et que l'un et l'autre unis constituent le noyau de toute création. Découvre cet ordre, et de toi naîtra tout un univers. Deuxième carte, l'ange Mitzraël, apparaît dans les mystérieux arcanes de ton existence. Guérisseur né, surtout pour des maladies mentales, il sera un grand psychiatre, un grand psychanalyste, psychologue. Personne qui maîtrise ses passions et ses émotions. S'il est atteint par une maladie mentale, par la drogue, il se régénérera. Il sera libéré des persécuteurs qui le harcèlent. Il triomphera sur les ennemis. Il peut devenir un personnage éminent, un grand talent, fidélité au supérieur, obéissance, bonne santé, haute moralité et longévité. Voici la prière de l'ange Mitzraël. Fais Seigneur que je puisse vivre à mon niveau le plus élevé, pour pouvoir autour de moi créer la divinité harmonie qui de toi m'arrive, afin qu'ainsi à tout moment je puisse servir d'exemple. Rends-moi fidèle au monde d'en haut pour que mes faits et gestes soient le reflet constant de la vie dans l'univers. L'ange Mitzraël exhorte. L'Éternel m'a donné cet espace pour qu'en lui les humains découvrent les normes de la construction du monde. Je suis là pour te fournir ce dont tu as besoin. Demande-moi les matériaux nécessaires pour harmoniser toutes tes conditions et tes constructions. Tu pourras ainsi devenir l'architecte bâtisseur du monde. Tu bâtiras de vastes édifices puisque rien n'est impossible. Sans pouvoir d'abord compter sur une demeure ou pouvoir concentrer les matériaux de l'œuvre. Troisième carte, l'ange Nanaël. Il apparaît dans les mystérieux arcanes de ton existence. Personne éloignée du bruit mondain, elle vit dans un monde qui n'est pas notre monde. Elle possède des connaissances peu communes. Elle s'intéresse à la vie religieuse. Il peut s'agir d'un professeur éminent, d'un grand magistrat ou d'un homme de loi. Tendance au célibat. Il éloignera du monde. Il ne s'engagera pas dans une relation amoureuse.
une personne mélancolique qui évite les rapports avec les autres. Elle aime la solitude et la méditation. Elle préfère le repos loin des agitations de la ville. Ne jamais compter sur elle pour des questions pratiques. Elle adore la philosophie. Prière de l'ange Nanaël. Aide-moi, Nanaël, à trouver un endroit propice pour honorer l'Éternel. C'est là que je désire construire l'échelle de 72 degrés pour que les divines hiérarchies puissent monter et descendre. C'est là que je désire engendrer les 12 tribus humaines qui établiront dans le monde ton resplendissant royaume messianique. L'ange Nanaël exhorte « Je suis intériorisé en toi, pèlerin. Prête-moi ta gorge pour que tous puissent entendre ma voix. Laisse-moi utiliser ton âme pour exprimer avec elle l'âme du Créateur. Je souhaite ardemment, pèlerin, que ton corps physique supporte et aime l'intensité de ma lumière, parce que je le dis très grande sera notre œuvre. » Quatrième et dernière carte, l'ange Yelaya apparaît dans les mystérieux arcanes de ton existence. La personne objet de la consultation possède un talent militaire ou d'organisation de tout premier ordre. Son nom sera attaché à une glorieuse entreprise. Il sera célèbre par son courage, vocation d'héroïsme. Il a une grande quantité de karma à payer, des difficultés, mais il s'en tirera avec bonheur et brillance. S'il est en procès, les juges seront de son côté. Succès si la consultation porte un procès ou un jugement. Diverses personnes viendront lui demander des choses et il ne doit pas refuser, elle doit leur donner. Il sera protégé contre les armes et sa vie sera sauvée en cas de danger. Il voyagera beaucoup et instruira pendant ses voyages. Ses entreprises réussiront. Voici la prière de l'ange Yelaya. Garde-moi, Seigneur, à l'intérieur de ta lumière. Ne permets pas que mes sentiments débordent. Guide-moi vers les écoles du savoir, où je puisse m'instruire sur tes lois et comprendre conscience de l'organisation du cosmos qu'est l'œuvre divine. L'ange Yelaya exhorte « J'ai besoin d'hommes et de femmes qui sachent couper les amarres d'avec ce qui est putréfié. Je t'ai donné des sentiments forts pour que tu puisses mettre un terme au présent sans espoir. Je t'invite à devenir le paladin d'un monde sans pitié pour ce qui est corrompu. » Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un peu plus, on va dire, sur comme un tarot. Hein. C'est pas forcément une guidance. J'attends vos commentaires. Si jamais le jeu vous plaît, je referai des tirages avec. Donc ça s'appelle Aziel, les cartes des anges. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.